Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on a décidé chez Gen Z de vous faire un petit podcast qui est un peu lié à l'actualité. Euh, tout d'abord parce que Resident Evil 3 sort le mois prochain, et 3 avril. aussi euh, le 3, voilà, merci et aussi euh, parce que en ce moment bah il y a l'histoire du coronavirus. Donc on s'est dit pourquoi pas faire un podcast euh, sur comment le JV traite le sujet des virus en général. Donc euh, d'abord, je vais vous expliquer un peu euh, rapido euh, la différence entre euh, les virus naturels et les armes bactériologiques, parce que les deux sont traités dans les jeux vidéo. Alors du coup, un virus naturel, bah, c'est un virus du genre euh, la peste noire, euh, comme il y a eu au 14 XIVe siècle. Donc en Europe, ça a éliminé quand même pas moins de... entre 25 et 50% de ses habitants. Euh, la France, elle a perdu 38% des gens, donc euh, en gros, c'est passé de, 7, de 17 millions de Français. On est passé à, à combien euh, 7 millions 7 millions. Il y a eu 7, 7 millions de morts, millions. Ou on est passé à 7 millions. Non, non, sur les 17 millions de français à cette époque-là, il y il en a 7 millions donc, il y a eu 10 millions de morts du coup. Quand même, euh, donc d'ailleurs, on en parle pas mal dans les jeux vidéo récemment avec euh, Plague On Non, a... mec, t'as fait une erreur. C'est 7 millions de morts dues à la peste. Oui, donc il restait 10 millions. Oui, donc en fait. il restait 10 voilà, millions. Est-ce est que j'ai pas fait d'erreur Non, t'as dit 10 millions de victimes. Ah. Autant bon, pour moi. Euh, du coup, bah justement, on en parle dans Plectel de ça. C'est un jeu qui est sorti bah, l'année dernière. C'était quand? Mon mois de mai, non? C'est ça? Oui, c'est ça. bêtise. Euh, c'est un excellent jeu d'ailleurs. je pense qu'on vous conseille tous ici. Je sais pas qui c'est qui l'a fait parmi vous, du coup. Euh, moi, je l'ai pas fait, mais j'ai regardé un let's play euh, complet sur, euh, sur le jeu, en fait. Je sais que Jensen l'a fait aussi. De... Plectel. Ah oui 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 excuse-moi oui oui j'ai fait un pacte à l'innocence on l'a fait à deux mec ouais c'est vrai à deux je m'en souviens on l'a fait à deux donc du coup on voulait absolument décrocher platine en plus ouais on l'a eu en plus donc plus récemment les virus qui sont assez connus c'est Ebola la grippe A aussi il y a eu ça c'était appelé H1N1 ouais aussi H1N1 c'était quoi ça déjà C'était les... la grippe porc pas porcine non C'était les euh, non c'était les... Les... les volailles les volailles, volailles. un ouais, oui, oui, tout à fait ouais. et du euh... coup euh, c'était c'était ouais, là tout comp... à fait précis ouais le coupe Je te coupe le, le virus H1N1 euh... bah, c'est pas moi qui explique ça c'est l'OMS donc l'organisation organis... mondiale de la santé il explique que le... la grippe A donc euh, appelée H1N1 c'est une combinaison de plusieurs virus entre eux en fait quatre virus en fait il y a eu un malade il y a eu un malade fait. surinfecté et ça a fait le, le virus A, enfin le, la grippe A. Le super malade. Il faut être, faut être le... précis. Ouais, bah, là, 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 à mon avis, il devait être un peu mort. Hein, à fin. <laughs> Je À <pense, ouais. rire> mon avis, là, il devait pas être beau. <laughs> Après, à savoir aussi que même un rhume, c'est considéré comme un virus. Hein. Mais bon, c'est voilà. vachement moins grave que le H1N1 ou le coronavirus récemment. Quoi. Bah, même la grippe. Hein. Même la grippe ouais, euh, ouais. saisonnière traditionnelle, mmh. C'est un virus. Et euh, c'est le virus qui fait le plus de morts au monde. Hein. Ouais. ouais, parce que c'est assez commun au final. Donc, euh, je, je me permets quand même d'ajouter quand même quelque chose. Il euh, ne faut, faut pas non plus céder dans, dans la peur absolue. Hein. C'est normal qu'il y ait des virus et tout. Et il euh, faut absolument faire attention euh, au traitement du coronavirus par les médias. Euh, si, admettons, euh, vous avez une bonne hygiène de vie et. Euh, que vous prenez soin de vous, euh, faut pas avoir peur absolument, il hein. n'y a pre presque rien à craindre. Je ne savais pas que tu avais eu ton doctorat récemment, alors du ouais, coup ouais. je vais ouais. continuer l'introduction ça te dérange -y. pas. y Alors après il oui. y a les virus euh, créés en labo aussi, Bah là pour le coup dans les jeux vidéo c'est vrai qu'on y est souvent confronté, ne serait-ce que dans Resident Evil par exemple. Euh, mmh. Après... Est-ce qu'on est qu sait s'il y a vraiment des virus qui sont créés dans ces conditions? Ça reste quand même plutôt une légende urbaine. Euh, donc apparemment personne s'amuse à jouer à Dieu, mais bon, entre ce qu'on nous dit et ce qui est, des fois faut, faut se méfier. Euh, il, y trop... il y en a un qui est connu, il y en a qui est connu quand même, hein, ce qu'on appelle, qu appelle le gaz moutarde, qui a été, qui a été utilisé dans les, dans certains pays africains dans les années 80, en fin de compte. Donc comme quoi, il y a des ah ouais. virus qui sont créés en labo, quoi ouais mais est-ce qu'à notre époque il y a des de toute façon il... ils à faire ça de toute façon on ne sait pas même si, pas, même si pas... le font ils vont pas aller le créer sur tous les toiles mais logique. Bah, on encore heureux bonjour euh... un virus <laughs> en, parlant ça, ça, y a... en parlant de ça en parlant ça il y a un docteur qui s'appelle robert Straker qui est un pathologiste américain qui dit enfin il pense que le virus du sida aurait été créé en laboratoire par le gouvernement américain mais ça fait partie des, des choses qu'on saura vraiment jamais en tout cas c'est une des une des rumeurs euh, le cor... Par contre, pour parler du, coup, du coronavirus, euh, officiellement, euh, les... on essaie de rassurer les gens tant bien que mal. Euh... Après, on nous explique d'une part que ça venait des, des gens qui mangeaient des chauves-souris en Chine. Ils ont un drôle de <laughs> un drôle d'alimentation de... là-bas. Ouais, ben, euh... hein. ouais. <laughs> et, euh, et le lendemain, on nous a dit que ça viendrait d'un labo qui n'était euh, pas loin, qui aurait fait des expériences toujours sur des chauves-souris. Et il y a une des chauves-souris qui aurait mordu accidentellement une des scientifiques et en sortant du coup du labo, elle l'aurait euh, transmis euh, de cette façon sans vraiment le savoir du coup. Ça c'est pareil, c'est encore une chose, c'est compliqué de savoir vraiment d'où vient le virus. Je pense qu'on ne le saura pas vraiment jamais. On ne le saura jamais. On ne hein. le saura jamais, voilà. De toute façon, la, la Chine verrouille son... les informations qui filtrent, donc on ne mmh. saura jamais, toi. Je, je crois que j'ai entendu quoi. dire qu'il y a, qu y a des, des, des gens qui avaient lancé l'alerte parce que ça fait un moment en fait. Oui. Ah ouais. C'était début ouais, fin mort. 2019 l'histoire du virus en fait. Fin en... 2019. Ouais, ouais. Et apparemment ils ont, enfin je sais pas ce qui leur est arrivé, mais en gros ils se sont fait Ils sont tous morts. ils sont morts. d'accord. Tous morts bah, tous. au moins réglé. Tous les lanceurs d'alerte sont morts en fait. <laughs> d'accord. Donc euh, bon. euh, en fait c'est une coïncidence tous les lanceurs d'alerte en Chine sont morts. Après ah je dis ouais, rien parce qu'on n'a aucune preuve en fait. Mais ils sont tous morts en attendant, donc euh, ça Moi, fait je, ça. je pense plus que c'est pour une raison économique. En fait, ils ont fait taire tous ceux qui voulaient divulguer l'information. Mais comme le Nouvel An chinois avait lieu euh, quelques semaines après la, les premières informations par rapport à ce virus, ils ne voulaient peut-être pas affoler la population et annuler les festivités. Peut-être, bah, oui, sûrement. De toute façon, il ouais, bah, y a tellement de pognon qui est en jeu avec la mondialisation, tout ça. Euh... Ce qui est intéressant, c'est que ce virus met en lumière les, les, les gros désavantages de la mondialisation, parce que la, la libre circulation des personnes, tout ça, forcément, ça favorise la propagation de, de, de ce genre de, de choses. C ça. On rappelle et... quand même que la Chine, c'est une dictature, et qu'à aucun moment, c'est dans leur intérêt de dire euh, on est en difficulté, alors que le, le but, c'est vraiment de dire, regardez, on est les meilleurs au monde. Quoi. Tu vois, euh, oui, bah, bah, ils se positionnent, ils, leur ambition c'est de ouais, devenir ouais. la première puissance mondiale, donc forcément, Mais oui. ils vont pas, quand ils font une bêtise ils vont pas l'avouer quoi. Euh, du coup je reprends, alors euh, ce, que, ce que je voulais vous dire pour finir un peu cette introduction, c'est que du coup aujourd'hui c'est le monde entier qui doit faire face à ce virus parce que mine de rien euh, déjà tous les continents sont touchés aujourd'hui. Euh, ouais. Donc forcément ça, va, ça risque de se propager Après à quelle ampleur on ne le sait pas vraiment Le point positif euh, que j'ai pu constater récemment C'est qu'apparemment le virus il a une durée de vie que de 3 heures sur des objets inanimés C'est à dire si par exemple il y a quelqu'un d'infecté qui touche une poignée de porte euh, Si 3 heures après vous touchez cette même poignée Il y a zéro chance que vous soyez contaminé Contrairement à la grippe où euh, ça dure euh, je ne sais pas combien de temps Mais ça dure pas mal plus de temps euh, le côté contamination par contact et ces choses là donc on, il y a un peu du positif malgré tout euh, le gros point négatif c'est le temps d'incubation parce que il est, il est assez énorme c'est entre 14 et 28 jours donc ça veut dire que pendant 14 et en, pendant 15 jours à un mois vous pouvez le transmettre sans même savoir que vous êtes atteint du virus donc forcément sachant que c'est un virus qui se transmet par l'air euh, bah dans les grandes métropoles, tout ça, euh, ça risque d'être assez euh, mortel, quoi. Bon. Surtout aussi la difficulté de détection, aussi, parce qu'on n'arrive pas à faire la différence entre une simple grippe et le coronavirus. Ouais, bah oui, comme Donc les symptômes les sont très symptômes, similaires, en fait. ouais, c'est ouais. vrai que c'est le problème. Après, ouais, ouais. bon, l'autre point, c'est que c'est plutôt les personnes âgées ou euh, qui ont des problèmes de santé qui, qui en, en fait, succombent. Plus vous êtes âgé, plus vous êtes âgé. Et... Vous avez des la d'en succomber, et... ouais. Ouais, un peu, peu comme la grippe euh... finalement. Oui, oui, tout à fait. Oui, bah oui. oui. Mm. Mais euh, si tu es pris tôt, si, si tu es détecté assez tôt, tu t as, t as quand même beaucoup plus de chances qu'au qu contraire en fait. Mm. donc en fait tu, Même si tu es âgé, tu peux t'en sortir si tu es pris assez tôt. Donc à savoir, que le, à savoir que le virus il a déjà muté deux fois, donc on ne sait pas combien de fois il va muter encore, et en espérant que ça que les, les symptômes ne s'amplifient pas ou que ça ne devienne pas encore plus euh, contagieux. Euh. Du coup, je pense qu'on a fait le tour de l'introduction, on va enchaîner la suite. Par contre, ce qu'on n'a pas fait, mais qu'on peut faire maintenant, c'est se présenter. Là, on a présenter le sujet, maintenant on va se présenter nous. Donc, moi, c'est Shepard. Euh, donc, euh, je bosse pour Gen Z comme euh, tous mes, les intervenants aujourd'hui. Euh, je joue un peu de tout, J'ai pas vraiment de style de jeu prédéfini. Ça m'arrive de jouer à des jeux de zombies et des jeux où il y a des virus. Bon, D'où l'intérêt de, de vous présenter le sujet. Euh, donc, du coup, euh, je vais laisser euh, Jensen se présenter. <laughs> oh bah, bonjour à tous, c'est Jensen. Euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais dire de plus Je suis pote de poker de Christophe Castaner et euh, j'ai formé euh, Benjamin Griveaux à toutes ses euh, frasques. Et euh, niveau jeu vidéo, je jouais un petit peu de tout euh, sauf les jeux de sport. Voilà. <laughs> ah, du coup, DJOC ben, moi je suis DJO que le dernier rédacteur à avoir intégré GNZ, donc ça fait depuis le mois de janvier, du coup de cette année que je suis rédacteur là-bas. C'est récent. Euh, ouais c'est récent. Mais fin de ça va, tu t'en sors bien pour l'instant. <laughs> euh, au niveau de mes styles de jeu, j'adore je, les RPG et tout ce qui est jeu de simulation de course. Euh, mais euh, ça m'arrive aussi de toucher un petit peu tout, et notamment aussi euh, à des jeux traitant de, de virus ou d'armes bactériologiques. Très bien, Donc on va finir par notre petite APSI. Exactement, Donc moi c'est x affectueusement appelé APSI par mes petits camarades de GNZ. Euh, ben finalement, moi je suis un petit peu la version féminine de Shepard. <laughs> euh, ça, me, ça me touche, je ou... prends ça comme un hommage. Mais, mais c'est vrai, on, on s'en rend compte de plus en plus, mais c'est tout à fait ça. Je suis son alter ego féminin. D'accord, très bien. Bon, bah maintenant qu'on s'est présenté, euh, là je pense qu'on va faire un petit peu le tour de. Avant de, de, de répondre à des questions assez précises sur le thème, on va d'abord faire un petit tour de tous, tous les jeux un peu qui ont marqué le, le genre de. Je sais pas si on peut appeler ça un genre, mais. Les jeux de virus, quoi, en général, souvent qui sont liés forcément au, au genre de post-apo, parce que généralement, quand il y a des virus de grande ampleur, il ne reste plus grand-chose derrière. Donc, euh, du coup, on va commencer par euh, Plague Inc. et Bio Inc. Euh, je pense que DJOC est le mieux placé pour en parler, donc je vais, le, je vais lui laisser euh, vous présenter tout ça. Bah du coup, Plaking et Bio inc euh, sont deux jeux en, qui traitent deux virus. Euh, le premier donc Plague, euh, c'est un, un simulateur. On crée un virus, une bactérie, enfin il y a plein de, plein de types de, de, de maladies qu'on peut créer, on peut même nommer sa propre maladie. Et euh, au fil du temps, on va développer donc des pathogènes, euh, pathogènes qu'on va pouvoir transmettre aux habitants, en fin de compte, et le but du jeu, c'est vraiment de tuer, éradiquer la population mondiale. Alors, il y a plein de... Il y a plein de choses qui, qui nous aident dans le jeu. La, la, on peut faire muter notre maladie. Elle mute aussi... Le jeu peut la faire muter aléatoirement. On peut retirer des mutations pour éviter que le virus soit trop virulent dans un, des, dans un premier temps et vite se faire repérer par les médecins. Quant, euh, quant à ces derniers, en fin, de, en fin de partie, ils essayent de trouver un remède euh, pour essayer d'éradiquer la, la maladie. Donc le but du jeu, voilà, c'est d'avoir un, un agent extrêmement. Euh, le plus mortel possible. Voilà. Pas, pas mortel, parce que... qu'il se propage qui ouais, qui voilà, qui qui rapidement, mais... rapidement. Et dans un deuxième temps, d'accentuer de, la virulence de, 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 de ce pathogène. En fin de compte mentel, de la létalité, oui, exactement, si la létalité, la... si la létalité du virus est trop important en début de partie, les médecins vont vite, du coup, faire... Euh, des, des, des recherches ouais, ils vont vrai. voir qu'en en fin de compte c'est à cause de ce virus là que les gens meurent et du coup ils vont développer un vaccin trop rapidement et mmh. si le vaccin est développé avant qu'on ait tué 90% du, de la population mondiale et eh ben c'est mort en fin de compte ouais, donc en fait le, le, ce qui est délicat c'est le dosage entre l'efficacité du virus et le, le, le fait de le laisser se propager au départ c'est ça, par exemple, le... c'est pareil, si on tue trop de personnes d'un seul coup et qu'on n'arrive plus à infecter les gens, euh, euh, bah, du coup, il y a des gens qui seront non infectés. Et du coup, notre virus sera mort parce qu'il se sera tué lui-même en fin de compte. Il aura détruit toutes les, toutes les personnes qui sont infectées, toutes les personnes saines. Euh, bah, du coup, pourront rester pour repeupler la terre. En fin. Oui, parce qu'en fait, un virus, c'est intéressant ce que tu ce que tu viens de dire parce que un virus, en fait, pour qu'il soit vraiment le plus meurtrier possible, il ne faut pas non plus qu'il fasse mourir les gens trop vite. C'est ça. Il faut qu'il ait le temps de, de, de contaminer le maximum de personnes. Effectivement, ouais. ça m'est arrivé des des parties où j'étais où j'ai voulu. Trop, aller trop vite en fin de compte. Et il euh, bah, y a certains pays, euh, par exemple je pense au... Je suis Groenland. <rire> <rire> je pense bah, au Groenland ou aux îles qui, sont, qui peuvent être infectées que par euh, voie maritime ou aérienne, bah, que le virus ne s'est pas pro propagé dans ces zones-là et que bah, du coup euh, mon virus s'est tué tout seul en fin de compte. Euh, il n'avait pas infecté à cette personne. Je vois Capsi elle y a joué aussi pas mal parce que <laughs> elle a recalé. Et du coup du coup donc pour Plague Inc, je pense qu'on a fait le tour. Euh, Bio Inc., c'est la même chose mais c'est concentré à une seule personne, c'est ça C'est ça, c'est sur un seul être humain en fait, quand on a un être humain et il faut le faire euh, bah voilà, il faut le faire euh, mourir le plus, le plus rapidement possible et comme euh, comme Plague Inc. essayer de de pas être trop gourmand dès le début pour éviter qu'on ait un, va un vaccin et que les médecins puissent déterminer la maladie trop vite en fait D'accord, bon, on reparlera de, de Plague Inc euh, lors de la dernière question parce que c'est assez intéressant le phénomène qui se passe euh, qui est lié au coronavirus et à, et à ce jeu, donc du oui. coup je pense qu'on va enchaîner sur euh, Resident Evil hein. bon, ça, va pas, ça va pas être très long parce qu'en soi il y, y a beaucoup de choses à dire mais au final je pense que beaucoup de gens savent, connaissent bien la saga euh, qui va en parler du coup à Jensen Je veux bien. Oh, je veux bien ouais. Ah, c'est Jensen, oui. Jensen. Alors, bah, du coup, je vais évoquer vite fait euh, Resident Evil dans, dans ses premiers opus. Donc, euh, plus particulièrement la société Umbrella Corporation. Hein, euh, on ne va plus la présenter. Mais euh, on va quand même euh, expliquer que euh, dans ses premiers euh, épisodes, hein, on, nous, on nous parlait de... Umbrella Corporation qui faisait des, des expériences hein, avec, euh, avec ces fameux virus T et, et euh, virus G qu'on voit dans Resident Evil 2. Mais en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans Resident Evil, en fait, si tu veux, c'est euh, le fait en fait que Umbrella Corporation euh, s'était installée dans Raccoon City. Qu'en fait, la, la ville, en fait, on va pratiquement dire que la ville de Raccoon City appartenait à Umbrella, en fait. Donc en fait, il euh, y a une sorte de de sujet politique qui est quand même mis en avant parce que Les grandes, euh, la, la mamise des grandes corporations ouais. euh, ces choses là ouais. Ouais, ouais, sur sur l'État ouais donc en fait c'est un sujet c'est un, un sujet dont on parle de plus en plus mais là ce qu'il y a d'intéressant c'est parce que Umbrella en fait dans bah, dans Resident Evil 3 justement euh, fait intervenir sa propre son propre service de sécurité avec des mercenaires hein, avec Carlos Oliveira et euh, fait style euh, de vouloir régler le problème eux-mêmes alors qu'ils sont à l'origine du problème justement donc euh, même si euh, on peut quand même le dire, Resident Evil ça reste un scénario de série B voire de série Z mais en fait euh, c'est presque un hommage euh, en fait enfin, on ouais, sent est est le trait forcé presque ouais ouais c'est vraiment, vraiment, le, le, vraiment forcé à, à, à fond mais euh, ce qu'il y a d'intéressant en fait c'est que là on parle vraiment bioterrorisme et euh, dans les premiers épisodes c'est quand même contenu parce que euh, c'est quand même euh, ça reste quand même dans la ville de raccoon city donc euh, bon, on y reviendra sur donc. la on y reviendra sur la question du bioterrorisme tout à l'heure mais du coup c'est mmh, d'accord mais ça me paraît mais ça, en fait, je... ça me paraît pas mal déjà je veux, je veux juste finir là dessus c'est que dans les premiers épisodes c'est vraiment contenu dans une ville hein, dans dans Rakut City, et euh, plus on avance euh, dans, dans la saga, donc à partir du 4, du 5 et du 6, et plus ça prend une autre ampleur, et plus euh, finalement ça touche la planète jusqu'à revenir euh, à quelque chose de beaucoup plus intimiste avec Resident Evil 7. Mais euh, la saga a toujours voulu nous parler de bioterrorisme et de, de virus créés en labo et tout quoi, ainsi que ses conséquences sur l'homme euh, qui sont transformés en enfin en zombies. Enfin, on peut pas vraiment parler de zombies parce que ça reste ça reste quand même des des armes. Ah euh... oh, j'ai perdu j'ai perdu le, le mot des, des armes bio. Euh armes bah, bactériologiques, tu veux dire. Voilà, 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 okay. c'est ça le mot. Ça reste quand même du... des armes. Donc du... en fait, on peut pas parler de zombies, même si on parle de zombies, ça reste quand même une arme. Parce qu'ils avaient prévu, en fait, euh... ils avaient prévu que les conséquences sur l'homme, ce serait ça, en fait. D'accord, très bien. Bon, du coup, tu, euh, voilà. tu peux nous expliquer un peu aussi un autre jeu dont tu as voulu parler, euh, ouais. du coup, qui est beaucoup moins connu. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a qu'un ouais. seul opus aussi. C'est peut-être ça aussi qui ouais. fait qu'il soit moins connu. C'est Dark Sector. Est-ce que tu peux nous en Alors... parler un peu alors, Dark Sector, il est sorti en 2009 sur euh, PS3 et 360. Donc, euh, vous incarnez un agent de la CIA euh, qui s'appelle. Euh, c'est pas qui grave, c'est un agent, Eden, quoi. Pas... Qui s'appelle Ethan Tenno. Okay. Oh. Et en fait, si tu veux. La euh, ah, mémoire. Euh, ah oui, t'as vu. Ah, ouais, hein <laughs> t'as vu. hein, ouais, hein C'est pas évident. <laughs> et euh, en fait, ce, ce fameux euh, monsieur euh, ultra entraîné et. Et normalement rompu à toutes sortes de situations, est envoyé euh, dans un pays fictif de l'Europe de l'Est euh, à la poursuite d'un autre agent euh, qui a fait bah, qui a fait des bêtises. Hein. Et en fait, arrivé une fois sur place, en fait, on découvre qu'en fait, il y a une pandémie qui a lieu dans cette fameuse ville. Et euh, le jeu commence vraiment après une petite heure où vous, où vous apprenez comment comment y jouer. Et à ce moment-là en fait euh, le héros est sur le point de mourir, enfin, le, le personnage principal est sur le Spoil. point de mourir. enfin, <laughs> ouais, hein, je peux me permettre s'il a 11 ans le jeu, oui, et personne oui, n'y oui. a joué donc je te taquine Vas-y, continue, je taqué. Hein Donc euh, sur le sur le point de mourir, euh, il décide lui-même de se faire infecter par euh, le, le virus, donc c'est pas un virus naturel, c'est encore une fois une arme bio, euh, bio terroriste et il décide de se faire infecter lui-même et reçoit euh, reçoit en conséquence en fait des pouvoirs qui vont lui permettre de mener à bien sa mission. Mmh. Donc en fait, là, tu as, as vraiment un mélange as un, un mélange de politique avec euh, ce pays fictif de l'Ordre de l'Est. Tu as euh, le, un virus créant en labo qui se déchaîne. Et tu as euh, tout ce qui est espionnage avec la CIA et mmh. toutes les combines qu'il fait. À travers un le monde. un mélange des genres, quoi. Ouais, tu as, as vraiment un mélange des genres. Mmh. Et ça se joue à peu près comme un Gears of War mélangé avec du Resident Evil, euh, un peu décomplexé. Et pour l'époque, franchement, c'était un, un, bon, un bon TPS. C'est dommage qu'il a fait un four hein, parce que personne le connaît. Mais euh, ouais, franchement, pour le coup, en fait, il a lié un bon gameplay avec une écriture que que vraiment trouvée pour l'époque, que j'ai vraiment trouvé intelligent. Quoi. Pourtant, il a eu des, des difficultés dans son développement. Et euh, franchement, quand j'y avais joué, j'avais été étonné. Je fais bah, bah bordel, waouh, <laughs> c'était bien. <laughs> mais, ouais. mais voilà, tu as, as, as vraiment un, un trio en fait entre espionnage, euh, virus et euh, politique en fait. D'accord. Et ça bah, pour bah, le coup, bah, euh, merci ça, ça, ça méritait d'être de... évoqué. Merci beaucoup. De... Bah, tu nous as donné envie. Enfin, moi perso ça m'intrigue du coup. Après ah, tout bah, le monde n'a hein. pas, pas toujours la PS3 et encore la 360. Il me semble tu pas qu'il le... a été porté celui-là, non si, si si. Sur PC l'année d'après. Si, ah si. d'accord. Super. Bon à PC il y a déjà si, beaucoup si. de gens en plus qui pourront le faire. Super. Si, si, bah, foncé, bah, en, en tout cas foncé. ça donne envie. Puis tu nous l'as bien, tu nous l'as bien vendu je trouve. Euh, bah, de rien. Du, coup, <laughs> du coup, du coup l'autre jeu que, dont on voulait parler, mais bon on en a déjà pas mal parlé lors du dernier podcast donc je vous invite à aller écouter euh, notre podcast précédent si, si vous, ça vous intéresse euh, bah c'est forcément Last of Us hein, qui est un jeu quand même qui a marqué euh, la dernière génération euh, qui est lui pour le coup c'est la maladie c'est plutôt euh, le Cordyceps si vous me dites si je ouais. dis une bêtise oui, c'est ouais. une maladie euh, une sorte de, de, de... c'est un champignon c'est ouais. même pas un virus c'est un, bah, un, un champignon c'est un c'est ça donc du coup euh, ouais bah, tout le monde le connaît je pense qu'on va pas plus euh, s'attarder dessus Sachant comme je vous le disais qu'on en a déjà parlé euh, Donc le, le, le jeu d'après bah, C'est Walking Dead euh, Walking Dead de, de Telltale hein, Parce qu'il y a eu d'autres adaptations Mais bon pour ma part je les ai essayé Je les ai trouvé plutôt anecdotiques euh, Là pour le coup euh, bon, il y a eu 4 saisons euh, De Walking Dead mine de rien euh, Sachant que la dernière Elle était à deux doigts de pas se faire à cause du fait que Telltale euh, ils, étaient, ils étaient à deux doigts de fermer aussi euh, donc du coup, euh, la, la saison qui nous a, fin, que tous on a un peu fait, c'est la saison 1. Et ouais. euh, je pense qu'on sera mmh. tous d'accord pour dire que c'est quand même un, un sommet d'écriture et, et de jeu, on va dire, qui, qui marque émotionnellement. C'est un jeu quand même ouais, je suis ouais. assez marquant. Ouais, c'est une réussite totale à ce niveau. Et d'ailleurs, euh, pareil, vous me dites si vous serez d'accord ou pas, mais je trouve que le, le, le genre post-apo, enfin tout ce qui est virus, tout ça, ça se prête bien à tout ce qui est dilemme moraux. Et, euh, ouais. et, et pour le coup, tel tel, ils, ils ont un peu pris le jeu parfait pour, pour, on va dire, pour exploser, parce que c'est le jeu quand même qui leur a permis d'exploser à l'époque. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que comme, comme euh, leur, leur style de jeu, il n'y avait pas beaucoup de gameplay. Mais en gros, tout repose sur le système de choix, même si bref, c'est vrai que ce n'est pas des choix euh, qui impactent énormément, dans le sens où on a à peu près tous la même fin, c'est surtout le déroulement qui change. Mais, mais euh, c'est vrai que ce, ce genre-là, le post-apo, euh, pour un jeu de, de choix, justement, je trouve que ça s'y prête particulièrement bien. Ben, ça s'y prête bien parce que c'est quelque chose qu'on ne vit pas euh, dans la vie réelle. Donc, du coup. Euh... Quel est le bon choix Quel est le meilleur choix entre guillemets en fait Et si on je a te le souhaite pas en tout cas. Ben bah, non, mais <laughs> je, te, je te le souhaite pas. <laughs> non non, il n'y a pas de pas bon choix. Il n'y pas... a pas de tu... bon choix, mais quel est le, le choix le plus moraux, Qu'est-ce qui nous paraît le plus... le plus moral en fin de compte Et vu qu'on a aucun recul sur ça, ben c'est compliqué de faire des choix en fait. Enfin, faire un choix quel qu'il soit est toujours compliqué, sachant qu'ils sont timés des fois. Oui. Donc il faut vraiment réfléchir euh, très vite. Quoi. <laughs> Mais du coup, bah, le, le dernier jeu de, dont on va vous parler, c'est un jeu qui, je sais, qu a, qu a particulièrement marqué Jensen et moi, je, moi aussi, pour être honnête. C'est euh, Days Gone. C'est quand même un oh, jeu qui ouais. qu est pareil. C'est un peu comme Dark putain, Sector, ouais. hein, dans le sens où euh, il n'a pas eu le succès qu'il qu méritait, je trouve. Ouais, il a surtout euh, été défoncé, Days Gone. Il a hein. été défoncé, ouais, monde... que ce soit par la presse, Tout... et même par, par, par pas mal de joueurs aussi, je trouve. Ouais, ouais. Euh... enfin... Je vais rester poli, mais... Euh... Enfin bref. Mais, mais, mais ce qui est, ce qui est... Non mais ce qui fait chaud au cœur, je trouve, c'est que dernièrement, il y a beaucoup de gens qui l'avaient pas fait à l'époque de la sortie, qui, qui se ouais. laissent tenter, et, et j'ai beaucoup d'échos euh, positifs quoi. La plupart de ouais, ceux pareil. qui se sont enfin lancés disent ah bah si j'aurais su, je l'aurais fait avant ou euh, ouais, ouais finalement c'est vrai qu'il est, que c'est vraiment un jeu, jeu qui a beaucoup de cœur en fait. Ouais Ça moi, moi je suis un peu dans ce cas-là, je l'avais je l'ai pas fait je l'ai pas fait à sa sortie et c'est vrai que le jeu a été démonté à sa sortie. Euh, et je pense que ça en a rebuté plus d'un. Et, euh, et aujourd'hui, justement, enfin, moi, je l'ai, à peine commencé. Hein, je, je me mets tout juste dedans, mais euh, mais c'est vrai qu'il est, il est très prenant et, euh, et je pense qu'il est, euh, il a une vraie capacité euh, émotionnelle derrière qui euh, qui devrait plaire. Il y a du cœur aussi, mais il y a aussi des, des valeurs qu'il partage aussi. Il véhicule beaucoup de, de valeurs à okay, moi je suis sensible. Mais euh... C'est un des jeux euh, de 2019, de 2019 pardon, qui véhicule le plus de valeurs, je trouve. Après, c'est mon avis. Hein, et de valeurs valeur assez différentes que celles ouais. prodiguées, généralement. C'est vrai que c'est un, ouais, ouais. un, un peu un, un bol d'air frais, quoi. Ouais, Mais, ça fait du bien, en tout cas. Ouais, ça fait du bien. Et, euh, ouais. et, et l'ambiance aussi, pour ceux qui connaissent la série, euh, qui, qui, je trouve, une très bonne série, ça fait beaucoup penser à Sons of Anarchy. Euh, bah, ouais, du... bah ouais. par rapport au fait forcément, que c'est un... Ouais. un motard et puis même je trouve au niveau des relations entre les personnages et tout ça ça m'y a fait beaucoup penser ouais, moi aussi ouais. bah, forcément t'es obligé d'y penser si ah, oui, oui. avant t'y penses forcément il hein. bah, y a limite des clins d'oeil j'ai l'impression enfin je veux dire on... ça, euh, ça paraît ouais, très familier fais, ouais il ouais, y, y a des clins d'œil ouais, ouais. Ah, c'est l'univers qui, euh, qui veut ça je pense hein. ouais. mm. Du coup, je pense qu'on a un peu fait le tour des jeux. Bon, là, c'était vraiment histoire de, de voilà, de, de faire un état des lieux un peu des, des jeux du genre. On en a peut-être oublié, on en a sûrement oublié, mais on a voulu parler ouais, de cela. On a voulu, vrai. on a voulu parler de cela parce que c'est ceux qui nous ont peut-être le plus marqué. Euh... On aurait pu parler de The Division aussi. Oui. Du oui, moins, le oui. postulat de départ. Oui. Du moins, le postulat de départ. Oui, bon. oui. Il y avait The Division. Il y avait Dead Island, Daylight. Mm. Exact. Aussi. Euh, il bah, y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein, mais bon, ceux-là, disons que c'est peut-être les principaux. Enfin, en tout cas, ceux que mmh, nous, on estime ouais. qui, qui sont les principaux. Euh, avec des petits bonus comme Dark Sector. <laughs> <Ouais, rire> c'est celui-là. C'est celui-là, c'est euh... bon. Ouais, c'est bien. Marqué, bien. Donc bon, non, mais, bien non, mais moi, je trouve ça intéressant de parler de jeux dont personne ne parle jamais, parce que justement, ça, ça le fait connaître. C'est toujours intéressant. Euh, donc, du coup, on va passer à la première question. Euh, après, si, si, si jamais dans les questions, euh, vous pensez à un jeu, comme je le disais dans la question 3, on va forcément reparler de Plague in et tout ça. Donc, euh, alors, est-ce que, est que les œuvres vidéoludiques utilisent le sujet du virus comme un prétexte pour proposer une œuvre post-apo de plus En gros, est-ce que euh, les, les éditeurs ou les développeurs surfent un peu euh, sur le, le sujet du virus euh, juste euh, pour, pour, pour faire une une production, enfin pour produire une œuvre, euh, on va dire, euh, qui, dont ils savent que ça aura une cer un certain succès, parce qu'il faut dire ce qui est le genre post-apo, euh, ça, ça attire beaucoup de monde en fait, au final. Donc qu'est-ce que vous en pensez, Jensen? On va bien avoir toi euh, ouais, ouais, ouais ouais, je vais je vais commencer. Ouais. Euh, un show, je, te dirais, je te dirais ouais, non, en fait. parce que Oui, parce que le sujet du virus, on va dire, c'est un sujet facile. C'est un sujet qui va parler à énormément de monde, voire même la totalité des, des joueurs et des joueuses. Hein. Mais euh, en soi, on a déjà vu des, des œuvres post-apo qui se servaient d'autre chose que d'un virus. Tu vois, je pense par exemple, euh, bah, même si ça reste une adaptation d'un film en jeu vidéo, je pense à Mad Max. Hein, c'est pas Mad Max, c'est pas le, c'est pas un virus qui a fait euh, qui a fait euh, la situation. Mais euh, en soi, en fait, euh, c'est pas un prétexte, mais c'est une solution de facilité parce que, euh, les jeux vidéo, euh, d'accord, euh, ces dernières années, ils ont eu un gap d'écriture euh, scénaristique grâce à The Last of Us. On... On ne peut pas nier le bah contraire. C'est ce qu'on disait pas, dans, dans, dans le podcast ouais. précédent. De toute façon, c'est ce qu'on avait déjà dit. Mais euh, je pense que c'est une, une solution de, de facilité dans le sens où euh, je pense que on n'a pas encore trouvé un studio ou euh, un développeur en particulier qui euh, aurait une idée de génie qui pourrait euh, nous proposer une histoire post apo sans virus. Donc un prétexte, ouais, non, mais ça reste quand même une solution de facilité, même si euh, je vais prendre un exemple euh, tout con, hein, euh, encore une fois, avec Dark Sector et euh, The Last of Us. En fait, ça nous parle de virus, mais t'en as un qui va nous parler d'un virus naturel, donc le corticeps, et Dark Sector avec un virus créé par l'homme. Tu vois, euh, on, ça reste avec un virus, mais c'est pas tout à fait pareil. Mmh. Mais, euh, ouais, mon avis, ouais, c'est vrai que ça reste une solution de facilité de nos jours. Peut-être mmh. que dans le futur, on aura des, des œuvres post-apo différentes. Sauf qu'en attendant, bah, on fait avec ce qu'on a. Quoi. Enfin, les studios développants font avec ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent aussi. D'accord. Voilà. Dit Jock ton avis sur la question bah, un, petit peu comme, un petit peu comme Jensen, oui et non. Euh, oui, par rapport aux armes bactériologiques, euh, ça crée une espèce de drama. Et je pense que les gens aujourd'hui sont vachement attirés par ça. Euh, comme on en parlait, l'aspect politique est rarement mis en avant dans, dans les jeux vidéo qui traitent de, de, de ce sujet. Mais je pense que ça attire quand même les gens de savoir euh, est-ce que c'est le gouvernement qui a fait ce virus Est-ce que c'est un laboratoire indépendant Ça crée un drama et je pense qu'on peut surfer là-dessus. A euh, contrario, on a des jeux post-apo qui n'utilisent aucune arme bactériologique aucun virus, euh, je pense notamment à un jeu que je suis en train de tester actuellement pour, euh, pour GNZ euh, métro. Métro 2033, ouais. métro la uh, slide, en fin de compte là, on est dans un jeu post-apo avec des créatures, on va dire non humaines, mais en fin de compte, c'est euh... C'est du coup l'explosion nucléaire qui a, qui a généré des mutations chez certains animaux, chez certaines certaines personnes, et on est dans un jeu qui représente euh, très bien le, le monde post-apo en fait. Bah, le le post-apo, les trois quarts, soit c'est un problème de, de bactériologique, soit c'est un problème nucléaire. Hein. C'est nucléaire. Ouais. C'est voilà. rarement autre chose. Ouais. c'est Du coup, Apsi, un petit mot là-dessus. Oui, bah, je suis assez d'accord avec, euh, avec les garçons et c'est vrai que euh, je pour moi, il n'y a pas vraiment de, de réponse arrêtée. Finalement, ça dépend ça dépend des heures, ça dépend, ça dépend des jeux. Euh, comme Jensen, je pense que euh, effectivement, le, le côté virus, c'est un petit peu la solution de facilité. Il euh, y a des jeux qui l'abordent un peu plus en détail, euh, d'autres pas du tout. Euh, on parlait euh, euh, un, peu avant, euh, un peu avant le podcast, on parlait par exemple de Left 4 Dead. Euh, Ou euh, bah, clairement, euh, tu es au milieu des zombies et euh, on s'en fiche un peu de savoir le pourquoi du comment. Euh, et je pense que à côté de ça, il y a aussi un, un certain goût pour la théorie du complot. C'est vrai, on aime bien s'imaginer que les gouvernements sont un peu responsables de ce qui peut se passer à droite, à gauche et que peut-être qu'effectivement, ce virus, il a été créé à la demande du gouvernement, dans un laboratoire secret, tout ce genre de trucs. En règle générale, on aime bien et, euh, et ça pousse un peu euh, les, les studios à, à imaginer euh, des, des, des jeux de ce type-là pour justement un peu titiller ce, ce goût qu'on a euh, de la théorie du complot, je pense. Excusez-moi, je tousse, hein, je, je suis malade, c'était pour être dans le thème du podcast. Euh... <laughs> ça, ça passait bien, c'était le bon voilà. moment. <laughs> euh, donc, du coup, super. Donc, du coup, alors là, moi personnellement, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Donc, euh, je n'ai pas la nécessité d'ajouter quoi que ce soit sur cette question. Du coup, on va passer à la deuxième question. Alors, la deuxième question, un, on a décidé de vous faire un petit événement spécial. Euh, ça va être une, une bataille, un débat entre Jensen et DJOC. Donc là, Psy et moi, et on et... va se mettre un peu en retrait. Et du coup. Et nous, on compte les points. Voilà, c'est ça. <laughs> Essayez de ne pas vous manger comme des, comme des zombies. Hein. Restez euh, civilisés. Euh, c'est donc... la première fois qu'on va débattre. Hein. <laughs> donc le, donc le, la, la question, c'est le JV peut-il dénoncer le sujet du bioterrorisme au travers de ses œuvres oh, Je te laisse commencer, DJOC. Ah bah, on peut oui on peut on... moi j'ai du mal en fait avec euh, avec cette question d'un point de vue moral euh, généralement tout ce qui est euh, tout ce qui est production euh, que ça soit film roman jeu vidéo peu importe euh, ça part généralement d'un d'un point de vue fictif en fait mmh. et est-ce que on pourrait utiliser un jeu vidéo pour dénoncer le bioterrorisme à, tra à travers, enfin du coup euh, dans, dans les œuvres. Je pense pas. Je pense pas. Ça n'est ça ça, c'est pas moral en fait. On ne pourrait pas. Par exemple, euh, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. Euh, ce qui s'est passé en Afrique euh, avec certaines dictatures qui ont euh, balancé euh, ce qu'on appelait à l'époque le gaz moutarde sur, euh, sur la population. Euh, si demain on a un studio qui crée un jeu qui reprend en fin de compte ce, cet événement pour en faire une œuvre vidéoludique, euh, je pense que ça passerait très très mal auprès, euh, auprès, auprès de la morale et auprès des, euh, de, des, des autorités qui sont compétentes euh, en termes de savoir si un jeu est, est moral ou, le, ou ne l'est pas. Ouais, Qu'est-ce que la morale aussi qu est ouais, qu'est-ce que la morale. Débat, Mais euh, <laughs> tu, tu te bases aussi sur l'exemple de du dernier Call of Duty là, avec euh, la fameuse histoire de l'autoroute de la mort là. Et, euh, dans le jeu vidéo, en fait, c'est expliqué. Enfin, c'est expliqué. Ils mettent euh, ça en scène comme quoi, ça serait les méchants russes et tout, alors qu'à l'origine, c'était vraiment les États-Unis qui s'étaient pas emmerdés, qui avaient bombardé toute l'autoroute avec civils et, et tout le monde dans le même panier, s'étaient pas emmerdés. Et là, ça a été changé. Euh, ça reste quand même de la propagande politique. Euh, moi, je vais, je vais vous donner mon avis. Euh, je partage pas du tout ton avis. Euh, bah ça tombe bien, c'est un plus... débat. Ouais. De, de ça aurait jour... été d'accord, ça aurait été chiant. Ouais, ouais. De, de nos jours, je vais, je vais, je vais être Je vais être cash. Il n'y a qu'une morale. Il n'y a, a plus aucune morale de partout. Euh, je vais prendre un exemple tout con. Ça reste. Bon, Minella va peut-être m'engueuler. Hein. Euh, <laughs> je vais prendre l'exemple de. Profite, de, de bah, le plus. Le, le plus récent, le, le plus récent, ça reste des Stranding où as aidé Kojima qui s'est pas fiché et qui s'est permis de nous donner son avis sur euh, l'élection de Donald Trump ainsi que le, le Brexit. Euh, il y a été, mais, mais pas avec le dos de la cuillère. Il a carrément pris la louche et il s'est permis d'aller nous donner son avis. Alors que je suis désolé, mais moi en tant que joueur et en tant que citoyen, enfin je vais être méchant, mais je m'en contre au carl' oignon d'une force. C'est sympa. J'ai je je jamais entendu me, cette expression. Je me, f... me euh... fous littéralement de son avis. Euh, sur la question, j'en ai rien à foutre. Quand je veux jouer à un jeu vidéo, moi, j'ai pas besoin qu'on qu qu vienne me casser les burnes euh, avec tel avis euh, ou tel avis. Moi, c'est quand je joue à un jeu vidéo, c'est comme ça. Bah, disons qu'il Néanmoins... aura aurait pu le faire avec un peu plus de finesse, je trouve. Parce qu'après, il ouais. faut dire ce qu'il y a tout, tout est politique. Tout Mais oui, est tout politique. Est poli... ah, tu Mais tu oui. mets toujours tout un est... peu de ton avis dans une œuvre, surtout si c'est une œuvre personnelle. Oui. Après, il y, a, oui. il, y a des, il y a des façons de le faire en fait. Juste mais ça. oui voilà, c'est ça que, ouais. que je dénonce un petit peu avec des strandings, mais euh, je rebondis sur ce que tu dis, tout est politique. Ce qui veut dire que demain, si un jeu euh, veut nous dé... veut nous dénoncer euh, une histoire de, de bioterrorisme comme il y a eu euh, bah, je, je connais pas non plus l'histoire du bioterrorisme à travers, euh, travers l'histoire euh, de notre beau pays, de notre beau monde, pardon, euh, il peut le faire sans problème. Mais euh, il va falloir qu'il ait les ras et euh, surtout, euh, surtout qu'il n'ait qu pas peur de se, de se faire euh, défoncer derrière parce que si enfin euh, euh, je vais partir assez loin mais si euh, son opinion euh, ne cadre pas avec l'opinion générale de gauche dans notre société euh, le jeu il aura beau être solide scénaristiquement parlant et dans tout euh, ses, dans tous ces aspects il se fera mais défoncé donc, euh, donc, ouais, donc, ouais, le jeu vidéo peut dénoncer le sujet du terrorisme sans problème. Par contre, derrière, il a l'air à avoir l'air insolide. Parce que si ça ne plaît pas à l'opinion opin générale, comme je vais prendre un exemple, comme des Gone, mais le jeu, il a l'air à être bon ou même pas. même On peut même prendre un exemple, même s'il est moyen, mais il sera toujours défoncé. Quoi. Là, même s'il est excellent, euh, si ça ne plaît pas à l'opinion générale, euh, qu'il dénonce ou pas, ça changera rien. Donc, euh, ouais donc ouais le jeu peut dénoncer le sujet du bioterrorisme par contre il a intérêt à avoir l'air insolite derrière hein, parce que bon courage <laughs> bah, bon c'est clair c'est des, des sujets qui sont très sensibles euh, si demain je décide de créer un jeu vidéo sur le, autour du viol de, des femmes euh, mon jeu ah va ouais, se faire défoncer et moi aussi je vais me faire défoncer par contre c'est clair là, et là, net, hein. là excuse moi mais ça a rien à voir bah oui mais euh, ça a rien à voir mais c'est pour prendre un exemple en fait c'est exemple extrême là euh... si l'opinion ça... oui mais comme disait Jensen si l'opinion publique n'est pas en accord avec le sujet du jeu peu importe que le jeu soit bon mauvais archi nul ou excellent il se fera défoncer ça, et est pas vrai. sûr et pas sûr que les ventes derrière soient, soient très florissantes quoi je pense qu'en fait il y a des choses, il euh, y a des ah, sujets qui se prêtent. À... Attendez pas, ouais. vas-y, vas-y. <laughs> je je me permets. Hein, de... vas -y, vas -y. <laughs> je mets mon petit grain de sel, mais je pense simplement qu'il y, des... y a des sujets qui, euh, qui se prêtent à être euh, adaptés, si on peut dire, euh, et d'autres non, quoi, tout simplement. Après, euh, en fait, finalement, ça c'est propre à chacun. Il y aura toujours des gens à qui ça déplaira, et toujours des gens euh, qui, seront, euh, qui seront friands de, de ce genre de, de jeu-là. Donc c est, c est, je trouve que c'est une question qui est vachement subjective et euh, tu n'auras jamais vraiment de, de réponse arrêtée sur la question, que ce soit sur le, sur le bioterrorisme ou sur n'importe quelle autre question. Euh, finalement, c'est propre à chacun. Et même si effectivement, euh, c'est euh, l'opinion générale qui, qui, qui finalement fait les ventes, hein, on ne va pas se mentir. Mais même même dans un cas comme ça, finalement, on peut pas dire que c'est ou non un sujet à aborder, parce que même si ça ne l'est pas pour 99% de la population, il y a peut-être 1% de la population qui, lui, c'est un sujet qui l'intéresse et c'est un jeu auquel Coucou. il jouait, tu vois. <laughs> Coucou. Tu me racontes au courant, donc. <laughs> si je peux me permettre. Non, mais là, pour le coup, je... a... c'est rare, mais je suis pas d'accord avec APSI, parce qu'au début, je suis d'accord avec la fin de ce que tu as dit, mais au début, tu as dit, il euh, y a des sujets qui sont pas adaptables ou quelque chose comme ça non je, je veux dire de, pas je veux pas dire justement il y a des sujets qui sont pas adaptables je veux dire que euh, pour tout le monde enfin pour euh, tu prends dix personnes sur dix personnes chaque personne va dire ça. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas adaptable. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je te disais les 99%. Et les 1%. Parce que il euh, y a euh, un, un sujet que toi tu vas te dire, je vois pas pourquoi on pourrait pas l'adapter. Ton voisin il va peut-être se dire, oh mon dieu, mais faire, un, faire de ce sujet un jeu vidéo, ce serait une aberration. C'est ça que j'entends je, par là. Pas dans le sens arrêté de la question, ouais, mais dans le sens il y aura toujours des personnes pour le penser en fait. Là ouais, je comprends mieux. Là. Merci. J'avais <laughs> compris aussi un petit peu. Hein. Ouais. <laughs> C'est bien de clarifier, c'est bien. Ouais, 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 Bon, bah, je pense que vous voulez ajouter quelque chose ou pas euh... Non, mais euh, je voudrais bien qu'un jour, les... un studio de développement, il bouge un peu son cul et puis euh, qu'il nous... Qu nous fasse ce genre de jeu-là, parce que moi, ça m'intéresse. Parce que pour moi, tout, n'importe quel sujet est, est... est adaptable, en fait. On peut parler de tout, avec en fait, toi. dans le jeu vidéo. On, on peut... enfin, dans les films, dans les séries télé, on parle de tout presque tout enfin voici, bah, si, on parle de tout hein. ouais, on parle de vidéo complètement on est d'accord donc euh, il parle de tout donc je verrais pas pourquoi je vidéo il devrait se, se dire ah oh, bah non bah ah oh, bah non je peux pas euh, bah non parce que ça va choquer les gens mais bah, tu bah, vois non, jensen pas... c'est tout à fait ça tu, tu vois tu soulèves exactement tu le, le point que je voulais souligner parce que en fait c'est ça au final aujourd'hui par exemple tu parlais des séries télé et c'est euh, un très bon exemple euh, les séries télé abordent tous les sujets possibles et ouais. imaginables et tu as toujours des gens finalement, qui vont venir critiquer le fait que le sujet soit abordé. Et, c est, c est, c est juste... et moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est la polémique autour d'un sujet. Euh, mmh. On a tous des opinions différentes, et, euh, et, et, et finalement, tu auras toujours des gens pour dire, ce sujet-là, il ne faut pas y toucher. Mais en quel honneur Pourquoi Après, si je peux me ah, permettre bah d'ajouter une petite chose, la, la différence entre une œuvre comme une série ou un film et le jeu vidéo, Là où, pourquoi les jeux vidéo, ça peut être plus sensible parfois, c'est parce que dans le jeu vidéo, tu as, as un aspect interactif et acteur plutôt que spectateur. Mm. Je, je, prends, je vous prends un exemple hein, pour vous voir ce que je veux dire. Par exemple, GTA, pourquoi ça fait scandale Des séries où il y a des criminels qui dealent de la drogue, qui tuent des gens, tout ça, il y en a des, des centaines, ça fait pas débat. La différence dans GTA, c'est que c'est toi qui peux faire ça. Et, 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 et du coup. Euh, les gens qui ne sont pas forcément familiers avec les jeux vidéo, ou même euh, les, les gens qui jouent, ils se disent euh, quel impact sur le psyché d'une personne d'effectuer, même si c'est virtuel, euh, une action répréhensible, ou du moins une action euh, qui n'est pas euh, saine, comme vendre de la drogue ou, ou tuer quelqu'un dans le jeu, euh, tandis que quand tu regardes juste la série, tu es juste spectateur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas je pense que c'est ça qui fait que ça fait un peu plus débat quand c'est un jeu vidéo. C'est juste ça, je pense. Alors que ça change rien. Non, non, c'est complètement la même chose, Je sais pas Je sais pas, parce que quand tu es acteur de quelque chose, psychologiquement, c'est pas la même chose que quand juste tu le regardes. Je dis pas par là que je suis contre ou pour ou que je comprends pas, mais c'est juste pour moi c'est quand même pas la même chose. Je voudrais juste rebondir sur GTA. Donc dans GTA V, as une scène de torture. Euh, tu n'es pas obligé de la faire. Euh, si je dis pas de bêtises, si tu la fais pas, euh, je crois que l'action la, se passe automatiquement. Ou je crois que la scène allait euh, sauter. Donc, en fait, tu passes à la, à la scène suivante. Mais euh, pour avoir vu des scènes de torture dans les séries télé, dans les, dans les JV, euh, quand je l'ai vu dans GTA, euh, je me suis dit, euh, ouais. Gentil. Ah, ça en fait, ça m'a... Non, 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 non Elle est quand même assez violente, quand même, bon. parce qu'il y a des moments... Euh... Jusqu'on euh, voit à euh, la euh... télé, franchement, moi, je l'ai oui. trouvée oui, franchement mais... gentillette, quoi. C'est pas... Tu vois, je, vais, je vais juste prendre un exemple. Par exemple, as la CIA, ils ont... Enfin, maintenant, ça a été abandonné, apparemment, sous Barack Obama, mais la CIA, dans certaines séries, genre, euh, si je dis pas de conneries, euh, je crois qu'on voit ça dans Homeland, euh, ils utilisent la technique de... la noyade assistée, donc, en fait, ils mettent un sur la tronche du, du, du torturé et ils, mettent, ils déversent de la flotte. Donc, euh, donc ça, dans les séries télé, on le voit, ça. On le voit quand même, hein, ils font pas à moitié. Quoi. Et euh, tout, tout ça pour dire que ça change rien, que ce soit dans. Enfin, pour moi, en tout cas, dans un jeu vidéo ou dans une série télé ou dans un film, une scène de torture, c'est une scène de torture. Que j'y participe, entre guillemets, en virtualité ou que je la regarde, pour moi, c'est. C'est bien joué, c'est tout. C est, c est ouais, mécan... acteurs, hein. ah, mécaniquement, c'est pas la même chose au niveau de ton cerveau, ce qui oui. se passe quand tu es acteur ou spectateur. Enfin bref, oui, là, oui. là, on s'éloigne un peu du sujet. On va finir, on va passer à la dernière question. Euh, donc, selon vous, euh, pourquoi le genre post-apo fascine-t-il autant Parce que pour le coup, il faut dire ce qui est, euh, comme on le disait un peu plus tôt, c'est quand même un genre qui marche. Hein. Généralement. Mm. Euh, et l'image qu'on Est-ce que c'est peut-être lié à, au fait que l'être humain est toujours un peu intrigué par la mort et qui, qui s'imagine aussi euh, peut-être ce qu'il ferait euh, en situation apocalyptique, quoi. Si par exemple mm. l'humanité disparaît, quelle serait sa réaction C'est un peu aussi ce qu'on disait par rapport à Walking Dead, euh, qui nous confronte à des choix qu'à l'heure actuelle on n'a pas à faire, mais qui ce serait le genre de choix qu'on devrait faire si ça serait euh, la, la fin du monde. Du coup, qui veut commencer On euh, peut donner bah, la parole à, à Psy, vu qu'elle n'a pas commencé encore aujourd'hui. C'est méchant ça <laughs> Ça, c'est je... fait, ça, c fait. Je... je suis prise de cours là <rire> <rire> Je vais y arriver alors, moi je, moi, je pense qu'il y, y, y a deux choses effectivement dans, dans cette espèce de fascination qu'on peut avoir. Bien sûr, ça dépend des personnes, hein, tout le monde n'est pas fasciné par. Euh, il ouais, y en a, a, y a le, beaucoup quand même. Par, hein, parce que je voilà, pense que quand il y a des, un accident par exemple, les bouchons sur l'autoroute, c'est ça. Oui, c'est bon, vrai, un... complètement. Ouais, ouais, il ralentit juste pour regarder le mec qui s'est fait écraser ou quoi. Mais juste en fait, c'est un ah Oui, mais c'est humain. C'est ça, en fait, je pense que l'être humain, il a un genre de curiosité un peu morbide. Euh, ça, tu sais, en fait, finalement, ça t'intrigue parce que tu ne sais pas. Tu, tu ne sais pas ce que c'est. C'est quelque chose que normalement on ne vit qu'une fois et à la toute fin, donc on revient pas pour raconter comment c'était. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment il y a un, un genre de, de, de curiosité un peu morbide. Et, euh, et, et finalement, tu vois, tout à l'heure, on, on parlait de la question des, des choix moraux et, et je pense que c'est vraiment ça qui, euh, qui intrigue aussi c'est le qu'est-ce que je ferais comment est-ce que je réagirai? est-ce que je serai plus altruiste? est-ce que, contraire, je ne ferai plus confiance à personne? Euh, et je pense que c'est aussi pour ça que la bd et la série walking dead fonctionnent aussi bien. tu sais ce, ce rapport euh, entre les êtres humains après le, la, la fin du monde tel qu'on le connaît? est-ce que, est que les gens deviennent bons? est-ce que les gens deviennent mauvais? est-ce que euh, Moi, je suis est un que donc je pense pas. Après, il n'y mais... a qu'à qu voir ce qui se passe pour revenir un peu. Au... Je, te, je te coupe deux secondes. Hein. Petit aparté, en fait. ça me fait penser à l'histoire de ce qui se passe avec le coronavirus. Bien sûr, c'est vachement amplifié par les médias. Mais il mais y a déjà des réactions euh, dignes d'un de, de, début d'événements de, de, catastrophes. Dans le sens où ouais. je sais qu'en Italie, euh, les zones, parce que là, il y, y a des villes qui sont en quarantaine, il euh, y a déjà des supermarchés qui sont quasiment vides de, de, de nourriture et de choses comme ça. Mais les, euh, les gens réagissent déjà, alors que c'est pas encore, euh, soit, entre guillemets, la, la fin du monde, quoi. C'est tout à fait ça. Et, et du coup, en fait, le truc, c'est que ça, ça soulève tout un tas de questions. Euh, Qu'au final, on, on se pose un peu sans arrêt sur le sur le genre humain. Et, et le fait de jouer à un jeu comme ça, ça donne finalement un, un, un genre de sentiment de contrôle sur quelque chose euh, que tu sais pertinemment qu'en fait, tu n'aurais aucun contrôle dessus. Et je pense qu'il y a il y a un petit un, un, un certain besoin. On a de, de reprendre un peu le contrôle sur des situations de ce, ce genre-là. Par exemple, on parlait de, de plaguing euh, en, en début de podcast, et c'en est l'exemple parfait. Au-delà de finalement fallait, se fallait prendre un peu pour, pour, Dieu, pour Dieu. Pourquoi tu parles de <laughs> plaguing du coup Mais Justement, parce que, en fait, au-delà au de se prendre pour Dieu, finalement, je pense que tu as aussi une part de. Tu relativises une situation dramatique. Non tu, mais tu, tu, tu vois dis ça parce que justement Plague Inc., pour, pour parler vite fait. Oui, ouais, en, fa en, fait, fait ouais. en fait, là depuis le à peu près le début, je crois que c'est début janvier, hein, à peu près le début de, de, de tout ce qui du se coronavirus, dit sur le coronavirus. Il y, y a une explosion des ventes du jeu, quoi. C'est ça. C'est tout à fait ça. Hein, mais... C'est et partout. Hein, je veux dire que ce soit que ce soit en Chine, que ce soit chez nous, le. le... Le... les ventes du jeu ont explosé. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'était le... la, ci... la sixième application la plus téléchargée. Euh... Et c'était le jeu numéro un en Chine, là, euh, début du mois dernier. Là où ils sont le plus touchés, en plus. En plus, exactement. On pourrait croire Donc... qu'ils ont envie de s'évader, de penser à autre chose, mais en fait, c'est l'inverse qui se passe. Mais c'est ça, en fait, je pense que c'est... Comme je le disais, peut-être un besoin de reprendre le contrôle ou de relativiser, de... Euh... Je pense que, tu vois, en... On... Tous d'un point de vue général, on préfère prendre euh, le sujet de la mort sur, sur un ton de la plus léger, si je peux dire. Euh, je veux dire, on va, on va au cinéma, on va voir euh, une bande d'ados faire dans le dixième remake du même film d'horreur qu'on voit depuis euh, à peu près 30 ans, euh, parce qu'on sait que c'est pas vrai. Et euh, finalement, on est un peu réconforté quand euh, euh, bah, tu sais quand tu lances un jeu que tu es dans un monde post-apocalyptique où euh, tout est horrible et que quand t'arrêtes le jeu et que tu vas te faire un McDo ou boire une bière avec tes copains, bah, c'est pas vrai. Et ça te rassure aussi un petit peu sur, sur ce, ce genre de, de sujet-là. C'est pour ça qu'on aime les films catastrophes, c'est pour ça qu'on aime, qu aime les jeux de zombies, etc. Parce que c'est de la fiction et que finalement tu, tu relativises sur des sujets qui. Euh, euh qui, qui finalement angoisse un petit peu aussi, même si même si t'es pas du genre à avoir peur, même si... Euh, L'être humain euh, aime se faire peur aussi. Il voilà, n'y aurait exactement. pas de film d'horreur. Euh... C'est tout à fait ça. Et, euh, et on aime à imaginer comment on réagirait, comment, euh, comment on s'en sortirait. Et, et on se dit, quelque part un peu, un peu ironiquement, mais on se dit, si demain il y avait une attaque zombie, je m'en sortirais parce que j'ai vu des tas de films et j'ai joué à des tas de jeux et je sais exactement ce qu'il faut faire, tu vois. Alors et et je pense que voilà, les gars, alors qu'absolument <laughs> pas. Je, je que positive, pense d'ailleurs On serait peut-être les premiers à se faire bouffer parce qu'on a joué à trop de jeux, justement. Ouais, ouais. Mais... ouais. <laughs> on ferait trop les je... Rambo je pense. Ouais, c'est ouais. peut-être un petit peu ça. Mais je pense que c'est pour ça, ouais, que ça que ça fascine autant. Dijok, voilà. Jensen, à quel toit Allez, Dijok <laughs> C'est une question qui n'est pas facile parce qu'il n'y a, a pas vraiment de, de, de réponse euh, bonne, mauvaise, enfin, c'est suivant la vie de chacun. Je pense que les gens sont pas mal intéressés aussi par euh, les conséquences les qu'il conséquences qu peut y avoir avec la disparition de l'humanité en fait. Euh, Qu'est-ce qui se passerait euh, Comment ça évoluerait Comme euh, je sais plus qui disait ça tout à l'heure. Est-ce qu'on serait plus altruiste hein, euh, que euh, qu'on l'est dans, le, dans le monde dans le monde dans le monde réel Oui. Et puis bah la mort. Euh, je, sais, je sais pas. Je sais pas. Moi personnellement, j'ai jamais réfléchi à la mort en fait. Donc. Euh, je sais pas quelle image on peut se représenter de la mort. Il y a, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui cherchent. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, en fin de compte Est-ce qu'il est qu y a quelque chose Est-ce qu'il n'y a rien Est-ce que c'est le néant Enfin, peu importe. Mais Ça, c'est un, une question que, les, que ce soit des, des gens qui sont religieux ou pas, tout le monde se la pose un minimum. Effectivement. Mmh. Oui, et puis, je pense que c'est justement le, la finalité qui fait peur à l'être humain mais dans, dans tous les sens. Hein. La mort, parce que c'est la vraie fin, c'est la fin du jeu, mais, euh, mais toute <laughs> finalité, en fait. Euh... ouais c'est ça, voilà. On... Y a pas bon, de enfin, restart, on sait pas, euh... parce qu'il y en a qui croient en la réincarnation. Tout à encore fait. Un autre mais... Sujet, mais... mais je pense que justement, l'être humain, tu vois, a besoin de, de... de... de croire qu'il y a autre chose. Enfin, finalement, si, si tu y réfléchis 5 minutes, la fin-fin, la ça fait très peur, sinon. Bah je pense que c'est une question d'ego, en fait, parce que l'être humain a besoin de se sentir important. Et se dire qu'il y a quelque chose après, c'est une moyen de se dire, bah, ma vie a plus de sens que que, que juste mon existence, en fait. Mm. Sinon, je pense que si, si un être humain pense qu'il n'y a rien derrière, je pense que ça peut le rendre fou, en fait, parce qu'il se dit, mais, mais une fois que ça c'est fini, qu'est-ce euh, qu qui se passe et Il a peur, il sait pas. L'inconnu fait ça. peur, de toute façon. C'est tout à fait ça. Et pour ça, le coup, la... comme tu dis, personne n'est revenu pour dire ce qui se passe après. C'est c'est la question que je me pose. À quoi sert l'être humain s'il n'y si a rien derrière euh, Parce que du coup, on est né, on a vécu une vie. Euh, on ça va, sert de vivre, tu vois. On dire, meurt. Voilà, on meurt. Et puis, je veux dire, dans 150 ans, quand tous nos descendants nous auront oubliés, bah, qu'est-ce qu'est-ce enfin, qu qui fait qu'on était sur Terre, en fait pourquoi on, est, pourquoi on était là, en gros Mais en fait, et... je, pense, je pense que le joueur post-apo, pourquoi ça, ça fascine et ça passionne beaucoup de gens, c'est parce que. Mais derrière, peut-être un truc un peu pas superficiel, mais le délire juste pampant sur les zombies, tout ça, euh, souvent il y, y, y a quand même des, des questions philosophiques qui en découlent de, cette, de cette, ces situations post-apocalyptiques. Bah, très oui, fortement. Et, et pour, finir, pour finir sur la question, moi je sais que personnellement, ce qui m'intéresse dans un, dans un jeu post-apo, c'est euh, comment vont réagir les êtres humains qui auront survécu à. À, cette, euh, à, ce, à ce virus ou à cette maladie. Et c'est ce qu'on voit principalement dans les, euh, dans les jeux vidéo. On, on ne vit pas réellement le début de la, de la maladie ou de l'arme bioterroriste. Euh, bio on vit surtout l'après, en fin de compte. Que ça soit dans tous les jeux, on ne vit pas réellement le moment où euh, on pourrait appeler ça un petit peu le moment le patient zéro, en fin de compte. Quand le on, commencement, oui le commencement, en fait, on, on, a tout, on voit toujours euh, ce qui se passe après. Euh, Walk, euh, je prends l'exemple de Walking Dead, euh, bon, on en parlait avec Apsi, puis un petit peu tout le monde, euh, on n'a jamais eu d'informations euh, réelles sur le patient zéro, que ce soit avec la série ou avec le spin-off, hormis ah, l'interview que le monsieur a donnée. Je suis d'accord avec toi, et d'ailleurs, si le spin-off, être... moi, ce qui m'avait déçu, Fear the Walking Dead, euh, j'avais bien aimé le début, et d'ailleurs, la, la série, le spin-off se vendait comme euh, l'explication, enfin, surtout... Et en étant axé sur le commencement de l'épidémie Au final au bout de la troisième, quatrième 4ème saison euh, bah C'est comme Walking Dead qu'on connaît tous quoi. Enfin je veux dire c'est ça comme, comme tu dis je pense qu'on parle pas assez Enfin c'est presque ce qui est le plus intéressant Dans les épidémies et tout ça je sais pas pourquoi Mais souvent c'est le cas C'est le commencement et souvent c'est, On passe très vite dessus en fait Je suis tout à fait d'accord avec toi là dessus c'est ça. Donc, euh, je, je pense hein, que le post-apo marche beaucoup parce que, bah, comme tu dis, il y a beaucoup de questions philosophiques qui se posent parce qu'on n'a pas de situation euh, similaire dans la, dans, la, dans la vraie vie. Donc, c'est des questions qu'on se pose qu'est-ce qui se passerait si réellement il se passerait une, une épidémie de ce genre Donc, ça, on peut avoir la réponse dans, dans certains jeux vidéo. Et puis, bah, les, les conséquences de l'humanité qu'est-ce qui se passera après nous, en fin de compte Qu'est-ce qui se passera une fois que le monde aura disparu ça vaudrait presque je... un podcast. Je <laughs> <laughs> bah, y a, y a de... suis très friand pour finir, je suis très friand de, de ce genre de vidéos sur YouTube, des vidéos d'anticipation, en fin de compte, dont, une, dont deux vidéos que j'ai regardées d'un YouTuber qui, euh, qui fait euh, jusqu'à un million, je crois un million d'années après la disparition de, de l'être humain sur Terre, en fin de compte. Ouais, il a imaginé un peu. Euh... Voilà, alors, il a travaillé avec, euh, avec différents... Euh, papier qu'on peut trouver sur le net des gens, voilà, gens qui ont fait des scénarios d'anticipation de voir qu'est-ce qui se passerait une fois que l'humanité aura disparu quoi d'accord ça, ça doit être intéressant c'est quoi le nom c'est tal talon c'est poisson fécond qui fait, euh, qui fait ce genre de vidéo je pourrais, euh, je pourrais vous retrouver après le, le nom des vidéos avec le vrai avec que tu le contact pour qu'il te compense euh, qu pour la pub <rire> <rire> du, du coup euh, tu, veux, tu veux conclure euh, jensen euh, ouais, je veux bien parce que euh, y a eu... enfin, DJ qui a dit beaucoup de trucs et euh, je voudrais rebondir sur, euh, sur le fait que tu comprends pas trop... Enfin, euh, si tu, tu me corriges si je me trompe, tu comprends pas trop euh, ce qu'on fait sur Terre. Donc, euh, en fait, je vais casser un petit peu tes, tes rêves et tes... tes je crois qu'il est encore euh, en débat y... là, Ça, il, veut... ouais. il est en mode clash. Il... Vas-y, vas-y. Alors, vas il vais... euh, y a un consensus euh, dans le monde scientifique actuel qui dit que euh, nous sommes juste de passage. La terre n'est pas à nous, on est, on est juste les locataires, et il y aura un moment donné où on va tous crever. C'est pas qu'il qu faut euh, qu'on qu s'habitue à cette idée-là, mais euh, un jour ou l'autre, l'humanité disparaîtra. C'est pas une certitude, mais euh, il y a une, un consensus de scientifiques qui le disent et euh, qui l'affirment euh, notre temps est compté. Donc, ah, désolé, hein, je suis désolé de plomber l'ambiance, mais c'est comme ça. Euh, ensuite, moi, en tant, que, en, tant que, en tant que joueur, moi, le post-apo, qui... post pourquoi je l'aime bien C'est parce que je vois la société qui s'effondre. Je vais préciser un peu. Moi, Pour moi, la société dans laquelle on évolue, là maintenant, il y a trop de règles, trop de contraintes. Euh, tout est fait pour qu'une certaine catégorie de gens s'en sorte le plus donc euh, plus plus as de pognon et plus tu vas so t'en sortir de nos jours et euh, oh, ça, a été, ça. Euh, ça a toujours ouais, été ça a toujours été contrario hein. t'es pauvre t'as rien à dire tu baisses les yeux tu, non, tu te tais si je peux euh, me permettre euh, ça a toujours été ça c'est pas d'aujourd'hui oui, hein. Oui, oui, ça a toujours été, mais euh, mmh. euh, ce que j'aime bien dans le post-apo, c'est euh, une simple pandémie, enfin une simple pandémie, euh, c'est vite dit, euh, remet les compteurs à zéro. Oui, que ça tu remet sois un riche, peu Tout le monde à égalité, ça que, tu veux dire. que tu sois pauvre, que mmh. tu sois intelligent, que tu sois con quand même en chabalé, euh, tu as autant de chance que ton voisin. Après, bon, bah après, euh, ta pote, euh, si, si tu te fais euh, dégommer, bon, bah, tu te fais dégommer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, le post impôt pour moi, il, est, il me fascine parce qu'en fait, il remet les, con les, les pendules à, à zéro en fait. Il te met les compteurs à zéro. Chacun a sa chance. Donc en à certains, ils vont vouloir évoluer euh, en solo. Donc je vais prendre l'exemple avec euh, le personnage de Daryl Dixon dans la série The Walking Dead. Euh, lui, il veut pas euh, il veut pas être dans un groupe. Il a toujours été à part même si le, on va dire qu'au gré des saisons, il est un peu obligé de composer avec le groupe de, de, de Rick et compagnie quoi. Bon, enfin, Maintenant, il est Rick, il est un peu, un peu disparu mais bon, bref, mais Ah, oh, euh, ouais, il fait quoi ce gars je m'en fous! Le spoiler, Alors, on va l'appeler. Ouais, le spoiler. Et euh, t'as aussi le, le, certains groupes, donc le groupe par exemple de Negan ou le groupe de Rick qui eux veulent euh, remettre euh, l'idée d'une société euh, en route. Donc en fait. Et euh, t'as différentes qui façons va... de, de, de ouais. la gérer d'ailleurs. Ouais, donc t'as oui, Negan, qui... Negan qui va nous parler de dictature, donc c'est ça, hein c'est lui qui concentre tout avec ses petits lieutenants et puis les autres t'as à obéir sinon il te démontent la tronche et t'as Rick qui lui euh, c'est vraiment l'idée même de la société et de la démocratie en elle-même Mais et tu euh... c'est marrant que tu, que tu dis ça excuse-moi je me permets Jensen mais enfin, finalement euh, Rick c'est une forme de dictature aussi parce que oui. c'est ses idées, même, oui. si, même si c'est euh, sa communauté, mais c'est une forme de dictature aussi. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Parce que quand tu regardes le fond du problème, euh, ils ont un peu la même manière de voir les choses, mais chacun ah, pour ouais. son groupe, en fait. Et c'est ça qui est super ouais. intéressant. Ah, c'est euh... hypocrite, dans un certain, dans un certain ouais. sens, parce que Rick était érigé en tant que héros. Et en tant que personne à suivre absolument, alors que Nega, lui, c'est le méchant, euh, c'est lui détestable, c'est lui qui. Il ah, faut, faut dire qu'il a, il a, il a, il a des méthodes tout. quand même plus expéditives. Ouais. Mais, mais, ça, oui. mais là où je suis là, pour rebondir mais un oui. peu sur ce que dit Apsi, qui est décidément là, cette question, ça l'inspire. Tant, hein, <laughs> tant mieux, tant mieux, tant mieux. Euh, je trouve que ce qui est bien dans Walking Dead, dans ce que tu disais, Jensen, c'est que euh, je trouve que euh, la série, enfin la série et la BD d'ailleurs, euh, ils mettent en évidence l'hypocrisie de la démocratie en fait. Tout mmh. à fait. C'est exactement ouais ouais. ça. Ça m'a fait penser quand tu disais ça, c'est que bon, Negan, euh, on peut pas dire que son système soit parfait, loin de là. Euh, non, mais non. disons qu'il est plus euh, honnête. Il est, il, est est moins, il est moins hypocrite quoi. C'est ça. Voilà, ils s'en cache pas en fait. Ils s'en cache pas. Que, ouais. que, que Rick sous, sous des sous des, des on va dire des atours de de de, 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 pas, de pas de gentillesse mais. De, de... de héros un peu, un ouais, de... avait raison, c'est ça. Ouais. Je parle du presque système, le système un peu du genre euh, tout le monde est égaux, tout ça, soi-disant tout le monde est égaux, mais au final, euh, il, ça, il reste toujours celui qui décide, c'est quand même Rick. Exactement, vois, à la fin de la journée, c'est lui qui prend les décisions et c'est lui qu'il faut suivre. C'est un peu un miroir sur, avec... sur la société actuelle, mm -hmm. avec l'accord tacite euh, du reste du groupe, parce que tout le monde se repose sur lui, tout le monde dit ah, vas-y, Rick, prend la décision et tout. Alors oui, en il plus, il prend la décision. Donc en fait c'est une certaine forme d'hypocrisie parce que tout le monde il est, il est beau tout le monde il est gentil ils font ah oh, Rick prend la décision et tout pour nous et tout alors que au fond du problème comme tu dis c'est un négan mais sauce 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 gentil quoi c'est ça hein c est c est ça, oui. Jensen a raison en fin de compte c'est les membres du groupe qui ont poussé Rick à entre guillemets être le chef ça. entre guillemets ah ouais. Ah ouais. Et ça en dit long justement sur le comportement. Tout ça pourquoi humain, euh, Parce que justement, en fait, est-ce qu'on n'a pas besoin de suivre euh, quelqu'un euh, enfin, C'est ça qui est vachement intéressant aussi dans la série, c'est qu'on se rend compte que euh, même euh, chacun livré euh, à eux-mêmes, ils ressentent quand même le besoin d'avoir quelqu'un qui prend les décisions, parce que c'est plus facile de suivre les décisions de quelqu'un que d'être celui qui prend les décisions, je pense. Bah, on en fait, je te coupe, je sais pas, Vas-y, vas-y. Je te coupe. Euh, Rick est élu. Enfin, élu... Euh, de façon tacite, chef du groupe, parce que dans l'ancienne civilisation qui s'est effondrée, il était euh, un homme de pouvoir, euh, de loi, pardon, il mm -hmm. était shérif. Donc forcément, il, il inspire confiance aux gens. C'est ça. Donc, forcément, exactement. De, façon, ça. Euh, de façon tacite, encore une fois, les gens se disent, bah, c'était un homme de loi avant, bon, pourquoi on ne lui ferait pas confiance Voilà. C'est ça. Il, il, est, il est censé, en fait, euh, être juste et droit. Ouais, alors que pas du tout. Euh. <laughs> c'est surtout moi ce que je trouve que pourquoi ça aussi ça bah c'est bien que vous de ça parce que c'est encore une autre chose qui fascine dans le post-apo c'est qu'on se rend compte qu'au final l'être humain même si on est un peu quand même un peu plus évolué je suis désolé pour les, les animalistes qui vont nous écouter mais l'être humain reste un animal dans le sens ouais, bah ouais. où c'est un peu le même fonctionnement que les loups par exemple dans une meute de ouais. loups t'as le La mal alpha t'as ouais. le bêta ça. Et, et, et d'ailleurs, euh, plus récemment dans Walking Dead, en parlant de ça, j'avais pas pensé, mais ça m'a fait penser. Les chuchoteurs, euh, la, le, ouais. la, la, la chef du groupe se fait appeler mmh. euh, Alpha. Alpha. Tout à fait, tu as raison. Et c'est vraiment. Euh, ça prouve que, en fait, quels que soient les groupes, donc Sudéric, Negan, les chuchoteurs, il euh, y a toujours un leader, il y a toujours un, un lieutenant, il y a toujours. Euh, vous voyez ce que je veux dire Et du coup, c'est ouais, ouais, ouais. ça qui intéresse, c'est qu'on se rend compte qu'au final. Euh, bah, même si on a on a mis on a on a on n'a pas un petit vernis de civilisation tout ça sur nos sociétés, euh, au final, euh, le jour où tout s'effondre, bah, on revient un peu à notre état animal. Bon, on n'a pas beaucoup évolué hein, parce qu'aujourd'hui, euh, bah on, on, on prend le on prend le on prend le, terme, le gouvernement est un petit peu le mal à, le mal alpha, et puis tous les autres suivent ça. derrière en fin de compte. Ah, bah oui. Donc il euh, mmh. y a toujours. Dans la société, pas le choix, lui, mais c'est que... le principe du mal alpha, il te laisse pas le oui. choix. Et ouais, euh, voilà, de toute façon, Alors, euh, il... on est toujours dirigé par, par quelqu'un en fin de Mal compte. alpha, il va pas te dire est-ce que tu veux bien faire le truc hein Il va, va te il non, va dire ouais, moi, je vais tu... Tu... Non, voilà. non c'est comme, comme chez GNZ, il faut faire des news en fait. <laughs> pas nous qui décidons. Ah, ça il pas... euh, ah, y a une rébellion ah, là qui prend place. Un euh, euh, règlement de compte là. Euh, C'est le, le temps de mettre fin au <laughs> podcast. D'ailleurs, on a dépassé un peu le, le temps que, ouais. que, que je voulais. Je voulais faire un peu moins d'une heure. On est un peu plus. Bon, on est moins long que la dernière fois. C'est déjà ça. Euh, comme quoi, on a bien fait de faire moins de questions. Euh, du coup, euh, bah, j'espère que le podcast vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller écouter le précédent, hein, pour le coup, euh, qui est plus focalisé sur Last of Us, entre autres. Donc, ça vous parlera aussi un peu des virus. Euh, Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, tous Vous voulez mmh, rajouter quelque chose pour Vive finir. la fin du monde D'accord, <laughs> super. C'est <Je suis> joyeux. <laughs> ouais, je sais, comme d'habitude. Non, mais merci à tous de nous avoir écoutés. Et ouais, on ouais. espère à bientôt pour le prochain. Merci à vous tous. Merci à tous et puis ouais, à bientôt. Merci. Allez, à plus.